Salut à tous, comment ça va la famille, le chien, le chat, le poisson rouge, ce que vous voulez, bref. Tu vois, s'il y a un truc qui me chiffonne, c'est la façon dont les gens utilisent les pouces bleus et les pouces rouges sur YouTube. Je veux dire, tu vois, normalement, les pouces bleus et les pouces rouges, si tu veux, c'est pour dire si t'as aimé ou pas ce que tu viens de voir, tu vois, la vidéo que tu viens de voir. Mais t'as des gens qui utilisent les pouces, que ce soit bleu ou rouge, pas forcément pour les bonnes raisons, et parfois ils les utilisent pas à bon escient du tout. Par exemple, tu vois, un truc tout simple, on va prendre Squeezie, c'est juste un exemple. Squeezie, je crois que ça s'est calmé ces derniers temps, mais il y a un moment, tu vois, c'était genre « Ouais, Squeezie, il fait que gesticuler, gueuler, il parle tellement vite qu'on comprend rien et tout, en plus il fait que jouer à des jeux vidéo, il reste le cul vissé sur son siège, ça sert à rien. » Tu vois. Et il y avait ce qu'on appelle les « haters », je déteste ce mot, mais bon, qui allaient sur ces vidéos juste pour mettre des commentaires du style « Tes vidéos, c'est de la merde, tu sers à rien, ça sert à rien, machin », ou pour mettre des pouces rouges, tu vois. Attends, les mecs, ils peuvent pas le voir en peinture, tu vois. Moi, je pars du principe que si j'aime pas quelque chose, je le regarde pas. Donc si j'aime pas un youtubeur, tu vois, je le regarde pas. Point. Ça s'arrête là. Non, les mecs, il faut qu'ils perdent leur temps à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle vidéo à aller sur la vidéo, mettre un pouce rouge, et voilà, ils sont contents parce qu'ils ont fait leur petite bonne action, tu vois, du jour. Ils ont mis un pouce rouge à Squeezie, ça y est. Je veux dire, à quoi ça sert, franchement, à quoi ça sert? À part faire chier le mec, tu vois, et flinguer son ratio pouce bleu, pouce rouge pour rien, je vois pas à quoi ça sert, quoi. Et puis alors, par exemple, toujours en restant sur Squeezie, tu vois, t'as les gens qui regardent des vidéos de jeux vidéo sur YouTube, de n'importe quoi, et puis dans les suggestions, ils vont avoir Squeezie, tu vois, le jeu va les intéresser, ils vont se dire, bon, c'est Squeezie, je regarde pas la vidéo, bon, là encore, je comprends, tu vois. Ou alors, ils vont se dire, bon, allez, je tente quand même, ils aiment pas la vidéo, pouce rouge. Mais dans leur tête, ils vont plus mettre le pouce rouge parce qu'ils aiment pas Squeezie. Tu vois, en premier, c'est ils ont mis le pouce rouge parce qu'ils aiment pas Squeezie. Après viendra le coup du j'ai pas aimé la vidéo. Bon, là, à la limite, ok, ça passe. Mais quand par exemple, t'as aimé la vidéo, tu te dis ouais, bon, là c'était pas mal, machin. Mais pouce rouge parce que c'est Squeezie! Attends, mais calme-toi! C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas voir Squeezie en peinture, t'as été voir la vidéo d'un jeu que t'as bien aimé. Mais tu mets quand même un pouce rouge parce que c'est Squeezie qui a fait la vidéo. À la limite, bon, même si t'as aimé la vidéo, mais que tu détestes complètement Squeezie, ne mets rien, tu vois. Change de vidéo, mets rien du tout. Ça sert à rien de t'énerver de mettre un pouce rouge juste parce que c'est Squeezie qui a fait la vidéo, tu vois. Et après, t'as le coup des pouces bleus qui sont pas utilisés correctement, mais c'est l'inverse. Tu vois, les gens qui mettent un pouce bleu à leur youtubeur favori, dès qu'il sort une vidéo... Et ça, on peut le voir hein, sur les gros youtubeurs qui ont un gros nombre d'abonnés, genre Squeezie, Cyprien, tout ce que tu veux. T'auras toujours dans la zone des commentaires un petit « Ouais, j'ai vu que t'avais sorti une nouvelle vidéo, je l'ai mis en route, pouce bleu direct !» Ouais, et c'est là que par exemple, t'as pas aimé la vidéo à la fin. Bah, t'auras mis ton pouce bleu avant, tu vois. Les mecs, donc, ils lancent la vidéo, ça fait 5 secondes que la vidéo a commencé, pouce bleu parce que c'est leur youtubeur favori. Ouais, et c'est là qu'au milieu de la vidéo, tu te rends compte que... Pour une fois, t'as pas aimé, c'était moins bien. On peut ne pas aimer pour des tas de raisons. Mais c'est trop tard, t'as déjà mis ton pouce bleu, tu vois. Alors que t'aurais attendu la moitié ou la fin de la vidéo pour te rendre compte si t'aimais ou pas, à la limite, tu mets un pouce bleu. Non, ne le mets pas dès les 5 premières secondes. Parce que ça montre bien que t'as pas mis le pouce bleu parce que t'as aimé la vidéo, mais parce que ton youtubeur favori a sorti une vidéo. Alors après, vous allez me dire, ouais, t'as l'air parfait, tu le fais jamais. Non, je le fais pas parce que, à la limite, tu vois, quand j'aime vraiment une vidéo, bon, je vais mettre un pouce bleu. Il m'arrive des fois de pas aimer une vidéo qui a été faite par un youtubeur que je suis, que j'aime bien. Si vraiment la vidéo m'a pas plu, je vais mettre un pouce rouge. Mais si bon, je suis mitigé en disant ouais, bon, pour une fois, c'était moyen, machin, bah, à la limite, je mets rien. Tu vois, je mets même pas de pouce bleu, pas de pouce rouge, rien du tout. Je change de vidéo et puis basta, terminé. Alors que t'en as, non. Ils détestent le youtubeur, alors hop, faut aller foutre des pouces rouges à toutes les vidéos. Ou alors ils adorent le youtubeur, hop, la vidéo a à peine commencé, ça fait 10 secondes, pouce bleu, direct. Je comprends pas ce principe de dire on utilise un pouce rouge pour montrer qu'on n'aime pas le youtubeur et le pouce bleu pour montrer qu'on aime bien le youtubeur. Tu peux par exemple aimer un youtubeur et un jour trouver qu'il a fait une vidéo qui est en dessous de ce que t'attends, en dessous de ce qu'il fait habituellement, ça peut arriver, tu vois. Bon, à la limite, là tu peux te décider à mettre un pouce bleu, bon, parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été intéressant, ou un pouce rouge parce que t'as vraiment détesté. Mais t'en as, tu vois, même s'ils ont détesté la vidéo, bah ils vont quand même mettre un pouce bleu. Parce que c'est leur youtubeur préféré, tu vois. Donc en gros, je trouve que ce système de pouce bleu, pouce rouge sur YouTube est complètement biaisé, tu vois. Je trouve que ouais,
ça reflète plus vraiment le fait de montrer ou pas qu'on aime les vidéos qu'on vient de voir. Après, je dis pas que tout le monde le fait, hein, mais t'as énormément de gens, tu vois. Tu peux le voir dans les commentaires, c'est facile, de n'importe quel gros youtubeur. T'auras toujours deux ou trois personnes pour mettre, hein, ouais, j'ai lancé la vidéo, le petit pouce bleu direct. Ben non, écoute, parce que comme je disais, si au bout d'un moment, après 1 ou 2 minutes, tu te rends compte que la vidéo, tu l'aimes pas, trop tard, t'as déjà mis un pouce bleu avant. Tu vois? Quel est l'intérêt de mettre ton pouce bleu au début, tu vois? Si c'est pour après regretter parce que t'as pas aimé la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, à mon sens, aujourd'hui, les pouces bleus, pouces rouges sur YouTube, c'est biaisé chez pas mal de gros youtubeurs. C'est. Ouais, les gens n'utilisent plus ça correctement, le pouce bleu, pouce rouge, en fait. Après, bon, si, t'en as qui l'utilisent toujours pour dire qu'ils ont aimé ou pas les vidéos. Mais à mon sens, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui utilisent le pouce bleu, pouce rouge pour montrer qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas le youtubeur. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, vous faites ce que vous voulez. Mais je comprends vraiment pas le principe d'utiliser ça comme ça, quoi. On a l'impression, tu sais, que ces gens-là agissent comme des espèces de groupies, tu vois. Le youtubeur sort une vidéo, pouce bleu parce que c'est ton youtubeur préféré. A l'inverse, c'est le youtubeur que les gens aiment pas, et ils vont se faire chier à les suivre à chaque vidéo pour mettre un pouce rouge. Je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt, ouais, tu vois. Sur ce, bon, si vous avez aimé cette courte vidéo, mettez un pouce bleu ou partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un pouce rouge, vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre père. À la prochaine.